Merci, le plaisir est partagé de nous retrouver na Tongo ya Lelo, na MKBZ officiel. Bande konangaye, tozali ko solo na bino na makambo zali koleka na mboka na biso. Mboka na biso ba révélation ba makambo mingi mingi toko solo la na bino na boye ya président de la République na ngambo yo ya Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé Bokoye Bayango Mokolo ya Lelo à cause de la aujourd'hui na Tanganyika Kole Kakuna Bokoye ba nini le kaki na butu avec quelques images toko Talu Sabino Mokolo ya Lelo. Et nous allons aussi parler des exploits Oye Salamaki Lobby Nangambo ya Est Oye Tomoni no vaillant commando ba militaire na biso ba sali makambo ya bien ya makasi po tokese ne ba exploit bango ba sali mais yambo ya makambo nyonso tozali ko senga bino bo s'abonner massivement. Merci na ba yebazo sala yango mikolo nyonso on est ensemble. Merci na ba oyo bazali ko partager ba lien, merci beaucoup. Mais surtout merci na ba oyo pe bakanisaka à tout moment ko soutenir biso de loin ou de près. To remercier ki bandeko yo oyo koza na moi quelque chose au quotidien de la biso pour songa biso to zo ba matériel osala boye babilo kwezali ebele tout le club une information même pour mettre des vidéos en ligne ça nous demande vraiment beaucoup 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 mais grâce na soutien na bino tozali ko se retrouver que moko ya koki ko sala na pesi maman na ngai mboko mbote merci mingi ya parti ya États-Unis merci mingi tozali ko koba ko sala la bino dans les conditions oyo. Et Singeli Bandeko Nangai, le président de la République, Silisa qui tourne na yo ya salaki na salaki na Kenya, Égypte, Kota ki Zambie, na Butu nde a komi na Lubumbashi. Bokota la lolenge ni ba yambaki ye, bato bazalaki ebele mobilisé pona koyoka ye oyo ya lingaki okomemela bango lokola message parce que nde moko alobaki uta élection elekaki maponomi elekaki donc babandaki vraiment koyoka kaka président na sango mais après élection nde azongeli bango po solola na ba louchoi bato bazelaki ti butu parce qu'ambiance ezalaki makasi beaucoup de gens babandaki même qu'on la fatigué mais ils ont tenu jusqu'à ce que le président de la République aille Kokoma Nabuto accompagné d'une forte délégation Tomoni Montoise qui na présentation naye ezala qui gouverneur ya Katanga au Katanga yewana gouverneur a eu parole à Kiaboula Jacques Abandi Fatibe Béton, Fatibe Béton. Donc, ces pays, ils ont beaucoup à flatter. Et puis, il y a un peu de temps, le lengeni ni muntokolo nga kabiliste ya makas. Mbala mwa komo muntoa tisekedi ya makas. Donc, la personnalité na Congo est à la kate. Or, un gouverneur, il est censé respecter le président, ma cause à la talakoute. Nyonso anani kobanga lokola balongoli zoe zoe azu mukato akei Richard Muyaya za konto net net et lui se sentant maintenant que c'est pouvait être son tour mbala moko abandi Fatibe Fatibe non 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 ça se passe pas comme ça ça se passe pas comme c'est ce qui tue ces pays le fanatisme pour ne qu'on garder poste un gouverneur de la ville. C'est quelqu'un qui doit dire respect au président dans les normes régies par la constitution. Au Kobong, on a tala côté juste pour nous causer la hypocrisie. Il y a quelques jours, Kiaboula, il y a eu affrontement entre Tango FCC et Zalaki Makasi, entre IDPS, na PPRD na Katanga. Kiaboula est allé même dans le siège, il y a PPRD. À l'époque, il y a eu un organisé pour ça la Nyonso. Tout le monde a dit Kiaboula, ce qu'il avait fait.
Mais comment les lots qui aboula kaka ye moko moko wana a balouki a changé a commis à talaku ya Félix. Tant que bande konangai toko ye bate ko garder dignité na honneur nous réunir pour na intérêt général que batu basala ka ba calcul pour na intérêt na bango ya mike mike se payer ko décoller té faut boye bango malam. Je vis Kiaboula na boutou un atalako. Fatime, Fatime, batpe béton, Fatime, béton, Fatime, béton. Il y a un de mon monaki na monaki o ya komele azalade vienne pso connaître Torti Ninja. Nini lisanga bonganga. Aza ministre. Na ki ministre, aza ministre sport. Ba to basket ba zukoupe. Akena Koupa lui que je vais présenter au premier sportif congolais, le chef de l'État, président de la République. Abandi Koubeta même na match pour Abima, ministre. Makambwe Balouki Abimi ministre, c'est Fayulu qui est président maintenant. Mais on est dans quel pays? Le président il y a commis Fayulu Longo Félix. Le peuple, Ndji Makape Bouzobawana, Tozala abruti. Na catégorie ya batu ya boye eza passe mboka ekozala ka mboka ndenge na lobaki lobby soki tokomi na capacité ya koloba non là où il faut dire non koloba oui là où il faut dire oui on ne peut pas nous abrutir na système ya imbécilisation collective auto banda ko ndima bindima ndima ezali passe tango ki amula sali ba shona ye asilisi nde Toye komona simanaye, président de la République, Azuma Luba, a remercié Balouchoua pour la moussala Malamu Obasalaki, a remercié Bango parce qu'il va résister contre Bandeko Balinga qui va diaboliser Bakabolana, ba discours séparatiste, a remercié Bango. A lobby tozali ekolo moko tokotonga Congo et sika moko. Mais président tikinga ina soif parce que j'avais voulu na mon président yé muntu atinda conseil de sécurité ba ministre atinda une délégation et kenda kuna pona kondela makambu ya GDO Kyungu. Ti président Akei, ti président Zongi. Batouana bakendelelo, likambwana belobela kango lususute. Pour mon tombe maga discours wana bakata katanga yebani Gedeon Kyungu, naba, oyo naba, John Numbi naba moussousu. Mais président s'est prononcé, c'est un problème. Moi j'avais voulu que le président aye bisapé balouchoa, apesa. Peut-être qu'il fera dans les coulisses, on ne sait pas, mais il sera très direct dans le message, Joana, parce que mon tosala gamakambouana, comme moi, je donne Kinga Yebani, comment les services de sécurité, Bayebakate ko repéré, si les lots, nous avons vu même que Batoubalongwa Kitiba Koumana niveau, Yako Kende ko attaqué. Tant militaire. Mais tu es le baloubaka. Bakanga kayete. Bakanga kayete. Donc pour nous pensons que Yayi. Quelques, hein, le président Tikibiso na moi, soif et singela qui quand même à l'oba. Mais président taxé bango bandoki, na kindoki. Bandeko moko ba benginga, mais comment le président, mon président de la République, a coquin de utiliser ma terme ya makas, oh bandoki. Pourquoi utiliser la bien kabatu bando? Ndoki a zalu montolingi destruction. Si vous regardez Bandeko yu batangi saka makila ya ba Congolais, bano misaka na banzela wana, bakata katanga wana, oba yaka wana, toko kiko benga bango baza banani, soki baza bandoki te. Baza bandoki. Baza li bandoki. Et même là où l'on a comprenate, oye nike, comment Kiaboula, oye a komi atala ko ya Fati Beton. Il y a en tant que numéro de province. A ti kala ko yebate ke John Numbi akobim. Ti akeyi.
atikela koyeba te na ba service alors que Kyungu wa Kumwanza avait déjà alerté 48 heures avant. Pourquoi il n'a pas dit ça? Si batuna sur ba salami le lokomi makambo ya Fatibe, il les a traités de sorciers. Moi je pense que les alliés moi oyo banda ki ko convenir pour batuwa na bazali bandoki. Et le président Sukaka Wanate, Ayebisi Bango, a sepeli, moi mingi, moi taïeza, moi mouke, mais il reviendra en 2023 pour na ko solliciter suffrage ya peuple lissous. Donc, le président vient, il a pour lever encore doute, na oezo talabatouba, ko mituna mituna, pour na problème ya ba élection. On a une différence quand même, on a Félix, on a Kabila, Kabila, élection, on a une constitution. Élection, on a une constitution. Mais quand même, le président s'est prononcé à l'lobby, il est moko, le lengenini, élection, et Kozala en 2023. Mais il faut aussi croire que chaque jour, on a une kende, et on a moko, on a une parce que loi électorale, il va réviser Yango, réforme un système électoral, au niveau assemblé, et je suis quand même moi lire beaucoup inquiétant, parce que jusqu'à présent, tous les communes qui sont des communes, en tout cas, bazali ko sala moi semblait que ma cambio ko kende très bien. Donc, et singeli que ba meka kotala, pote ba meka ko accélérer, afin que tout lié malobana misana. Donc, pour 2023 élection yezalaka, tout dépendra de la réforme du système électoral. Na ba animateur peut y asseni bazengele ba tia bango en place. Parce qu'on parle 2023 et que de l'autre côté Moussala o esala que 2023 esalem. Ce que salamité nous pouvons côté na ba décalage au commission na ba débat encore politique légitimité boyena boye et kozala madame te mais le président zali appeler vraiment ya ko jouer un rôle moko ya qui arbitre. Pour être vraiment cambo et les cas très bien. Donc en termes on a vraiment ndenge à solo là qui na bango et zala qui vraiment très très bien. Je vais vous laisser suivre d'abord Bolanda ce que le président Alobaki a live et nous allons revenir pour nous continuer l'émission Namiso Yamokolo Yale. Suivons et revient après. Voilà. Mon province est tout Yaokatanga. Fatibe! Fatibe! Si la Fatibe en 2023! Et puis 2023, Paka! Paka! Aksanti sana! Aksanti! Kwaku Pokelea! Mukuba Waichi! Président de la République! Mulatu Kamuria Yeshima! Na président de la Kwana Fura sana! Est-ce que Mukuna Fura? Batoto wa mama mjambo. Batoto wa Katanga mjambo. Merci beaucoup bande konangai, merci mingi. Ndenge boyambingai lelo na kata ville ya Lubumbashi. Nazane sengo ya komona bino. Po depuis 2019 na leka ki li tout soit raté na makambo covid pour bakisama et ça li problème pour na koya awa nazan sengo ya komona bino pe ya kopesa bino basango ya kitoko na ye nango pona bino Yaliboso na ngina pesa bino félicitations pour être au résister na ba manipulation oyo bande konabiso ya mitema mabe o bazana kindoki na kati na bango balingaki bakoti sa awa balingaki bakabola ba
bana ya Katanga na Congo. Katanga ezali na kati ya Congo. Katange azali Congolais. Moto ako sabino te. Na sepeli makasi ndenge botindi bango bakende kozongela ba makamu na bango kindoki wana. Boboi koyoka makamu ba discours na bango ya kokabola bino. Ngai naza kosenga na bino boye. Bana batoto ya Katanga bozali ba Congolais. Bolinga bandeko na bino ba Congolais. Tokotonga mboko yo elongo na bino. Moto akole akosala Congo ya ye azali te. Congo ezali ya biso banso. Pe Congo ezali na place ya mwana Congo nyonso azali na place na ye na kata Congo. Bako sabino na ba discours ya kindokite. Ba discours ya mite mamabe. Bako sabino te. Je crois que vous l'avez un peu ambiance, ndenge zalaki électrisé, ndenge batu babandaki koyemba nzembo, ndenge batu babandaki ko sepela. Mais le président alobi alongo wana azokende na le kati ya kolekwa na batanganyika kuna. Mais phrase ya bimisi alobi eza na makambo ezoleka zo sepela na yango te. Ça c'est très important. Albi makambo ngwe za makambo nini. Il ne comprend pas que richesse na biso, richesse ya mboka na biso ezali ko profiter na biso te. Or na ngambo wana mabota famille ya bandeko oyo ya regime ya kala bango nyonso bakabola mabulu ya ba minere. Même ti bozo mona Jeannette boyoka ki bien ke Zoé tango balongola ki ba chef coutumier ba alerta ki baloba ki ke non ba bande ko former ba milice te lelo balobi Jeannette Kabila sa fait azaka kana province wana alors que rentré baninga baza na parlement ya azaka kakuna. Qu'est-ce qu'il cherche bazale ko akize pe lususu j'aurais appris ke non ye pa na ko former ba milice pour nani. Parce que babongo la ba minere wana ekoma ya bango moko. Bazana mabulu ya or, mabulu ya babiloko. Ma, et le président dit dans le discours na ye, ezali ba minere stratégique. Minere stratégique. Donc, oyo batu baluka kanamukili, ezande na Congo. Vous avez suivi Albert Yuma qui a dit. Que mboko na mboka na biso tozali coproduire par an 1 million de tonnes ya cobalt. Oye se la ka ba batterie, ba téléphone, ba car et consort. Mais Congola viva kana moins d'un dollar par jour. Je vous avais montré dossier mou ya 100 millions de dollars. Oye obazwa ki na moutanda maïni. Oye yu ma azwa mbongo le danga trace tile lo. Bate konangeza très grave. Alors, le président lobi makambozo le kanamine eza somo. Donc ce qui kaka Félix a se déplacé et que a bandu kolande la makambo ya mine ey moto kopela. Wana kokende kokuta ke mabota Congo e koma bien privé ya bato. Et biso to yebisi a ke ko simba esika vraiment esengela ki pour kita ya mboka oyo et ko profiter na libota mokote Congo eza bien privé famille Tshisekedi te famille Kabila te famille Bemba te ya famille Tshisekedi Katumbi te. Le Congo nous appartient à nous tous et nous tous essayons de profiter na ba richesse nzamba pesa biso toza na ba minerai stratégique mais dont les Congolais baza batu le plus malheureux batu ya basi ya kosakana te. Akokendekuna, n'oubliez pas que akokota conflit oezalaka entre Bato ya Fifi Maswaka oezali vice-gouverneur na Richard Muyej azali gouverneur titulaire oezali retenu awa na Kinshasa akokota yekuna. Donc
C'est en pleine jungle du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qu'Alpha Mine, une société entièrement financée par le Canada, a réussi à construire une mine pour exploiter de l'étain, sans doute la plus improbable et la plus gigantesque du continent. Pour contourner la menace des groupes armés, l'entreprise a par ailleurs fait sortir de terre 32 km de route pour le transport de sa production. Le reportage est signé Cédric Siosolo, Eric Oteng et notre correspondant sur place, Lucas Rosenberg. Au cœur de la jungle de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, se trouve l'un des plus importants gisements d'étain au monde. Alpha Mine est la société qui en détient actuellement le permis d'exploitation. Financée par le Canada, elle a construit l'une des plus grandes mines d'étain en Afrique. Le site minier est situé à Bizié, à environ 60 km de la ville la plus proche de Walikale. La présence d'Alpha Mine à Bizié a favorisé l'emploi de plus de 1000 personnes. Notre pays ici, il est regorgé par beaucoup de minerais. Bon, la province ici, nous exploitons la cassitérite. Donc on ne peut pas laisser la cassitérite en brousse comme ça, mais sans toutefois développer aussi notre province. Et comme les gens ici qui sont à côté de moi, ce sont de gens qu'on a trouvés sur place. Nous les avons formés sur l'état. Ils ont trouvé aussi de l'emploi. Le minerai d'étain dans la région est réputé être de bonne qualité. Les projections les plus optimistes laissent augurer l'apport des bénéfices importants à la communauté et aux autres parties prenantes, contribuant ainsi à la promotion de la croissance économique régionale et à la stabilité au Nord Kivu. Alpha Mine a déjà entrepris des projets d'infrastructure comme la réhabilitation de routes dans la région. Si cette route n'est pas ouverte, ça serait un peu difficile même pour la communauté de pouvoir évacuer leurs produits. Cette voie est vraiment prioritaire pour l'entreprise, non pas seulement pour évacuer les produits des artisanaux, mais aussi lors de l'exportation de nos minerais. L'entreprise s'attend à produire 10 000 tonnes d'étain par an. Le coût d'investissement s'élève à 160 millions de dollars américains. Président Keko Simba Kuna et Kozala vraiment parce que je ne sais pas aussi s'il va dans la logique Mokomokowana. Kolukape Otala, soki moyen ezali, ameka, kotala applicabilité ya ba code minier. Pona mine bana ba kufaka na mine dernièrement, ba makambozela kebele, et le président même autorisé que batuba timola kape minere na ba pao na banini me bana mikete nde ba kota. Il a autorisé ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas industrialiser aussi ça pour contourner la mafia ou les gens qui ont Yuma? Parce que quand Yuma dit qu'ils ont Glenbor et les autres, cela veut seulement dire aussi qu'ils ont en contrepartie, ils ont battu Oyo. C'est là qui est vraiment direct dans ma Kambouana, mais où est-ce que c'est là qui est ma Kambouana? C'est qui est gisement, par exemple, la ville prix, basali. Le minerai à Congo, ils ont profité de la Congolais. Si le président peut trouver formule, il a dit que ça, en réalité, il a dit que ça, il a dit que ça, il a cela va être un loco, il y a malam. Mais pour le reste, disons au lobby, ce qui nous intéresse, tout est le malicolo, tout le monde est et que le président de la République a cela par tous les moyens. Enfin que kota keko simba wana ndio wana ba milice ba bimaka ba tubazalaka et je crois que le président a des informations nyonso enfin que makambo ya mine tomona clair parce que ce qui bazui kaka kote wana ba telemisi ba landeli ba tebele ba kokota bolok ba kokota bolok. Vous avez entendu même ba ministre dernièrement wa même la marche, la gouvernorat, la instrumentalisation. On a même suspendu quelques gens qu'on a donc province ou en Israël une attention purement politique. Et nous pensons à ce qui nous concerne, nous devons nous unir, travailler pour être minerais à Congo et zone là bas congolais. Mais le problème, les minerais, ils ont na est na Katanga, ces problèmes aussi, ils sont permanents, même na Ngambo, ya est, ya Mboka na Biso. Vous allez voir que nous allons vous montrer encore quelques images. Bon, on a comment éteint Mboko yo
ndenge tomona kapasi. Donc mboka onde tomona kapasi. Vous allez voir que société mobimba ya ba éteint. Il y a première qualité dans le monde biso de ko produire yango. Je vais vous laisser suivre cet élément pour bon monde vraiment comment ekonika et après nous allons revenir pour na continuer tout simba makambo ya ba exploit. Il y a ma pharmacie, Oyo, Bazali, Kosala, Bexploit, Yamakas, suivant, et on revient juste après, on a continué dans l'élément Moussous. Voilà, c'est dans Bomoni, ba minéré, Botala Mboka, Oyo, ba minéré, Ndenge Zali, mais bon comprendre que peuple a Zaka Kanapas. Mais je vais vous dire une chose, décision Mokozieuse, mais que nous devons saluer le président de la République. Déjà, bah, fuitengana, na fuitengo le bosso. Pendant aussi l'état où il y a état des sièges, na ndenge tozo koma, on va interdire que babanda ko exploiter, ba minerai. Vous voyez, na moi, ah, ça c'est une bonne décision. Durant l'état des sièges, exploitation ba minerai, bazo fan di sango nan. Parce que yango monte créa kaba problème. Donc, nous pensons que Zali, décision ya malam, ba fandi sa yango, ba talan parce que c'est là aussi. Donc, on a dit que TV5, France 24, et refi balamouki, parce que kop elali kuna. Donc, quand on interdit le minerai, c'est que babomi bango. Et le président prit déjà le dit, ba na mikolozo ya ba gondok exploité. Et d'ailleurs, nos forces armées, ba sali ba exploit moko. Il y a Makassi, je vais vous donner quelques éléments détaillés. Lobby dans le groupement de Wale, précisément dans le territoire, il y a Djougou, jonction Wanezalia, Babengango, Nyoka, dans le territoire de Mahagi, des commandos de la 11e brigade de réaction rapide basée dans cette localité et les éléments de 338e renseignement d'infanterie et Komaki na Kasei et Mahagi via le lac Albert, les forces loyalistes ont attaqué et conquis Lobi, l'une des grandes positions des milices de la Kadeko au pont. Wana, premier exploit. Mais Bisikawana, ça c'est très important. Il faut voir Bayango, tout le bulletin, il y a un état de siège chaque jour. Ce point sensible est situé sur route nationale numéro 27. Ça fait beaucoup de temps que trafic Wana route nationale numéro 27 et Bandaki composé problème au plus ou moins 110 km au nord-est de Bounia. Une fois ces points clés conquis, les phares d'essai ont poursuivi leur offensive. Elles ont libéré par la suite d'autres localités occupées par les forces négatives dans le groupement de Walendu Pititi. Donc, Bakangi, Balongoli, moi, résidence à Kodoko et Tikelaki, Bakomina Walendu, Baleki. Route nationale numéro 27, ba conquérir yango mokolo ya lobby, ba avancer ba keli bosu. Il s'agit notamment des localités de Ala, ba localité bosu lobby yango wan. Localité de Ala, Lobu, Bale, Budjo, Dera, Libi et Deza. Wana état de siège et bande kosala musala bamboka oyoboka ngango oyo bazulobi. Il s'agit notamment de la localité de Ala, Lobu, Bale, Budjo, Dera, Libi et Deza. Le reprise yaba trafic na sécurisation yaba convoi de personnel et de marchandises, c'est la route numéro 27. Et le trafic va rechercher par cette offensive cible. Donc, bat lobby basongeli na national numéro 27, côté kabambisi, côté kababilo, kona bango ndenge basongeli, à partir ya lobby national numéro 27, bat trafic et zongi. Félicitations. Mais je vais un peu préciser, la national numéro 27 est l'une des principales voies d'entrée et de sortie des marchandises, des produits de première consommation au profit des provinces.
ezalaka kwa provisionnaire rutwana Ituri Nord Kivu et de la Tchopo via l'Ouganda enfin dans le territoire de Mambasa. Donc rutwana nde ezalaka kwa provisionnaire Ituri Nord Kivu et Tchopo biloko de bimalaka pem na nzera ya ya Uganda mais ba force armée na biso ba ekoleka na Mambasa. La République démocratique du Congo ont déjoué plusieurs attaques des ADEF et des Maïmaï. Donc, biloko ezala kake, ba ADEF banda kikoya na bamba chete bakati, lobby ba meke komeka forces armées loyalistes au niveau ya Mambasa ba déjoué plan na bango na ba Maïmaï pe y complice ba déjoué plan na bango et Moussala elekaki kitoko. Et nous vous promettons que na MKBS prenez rendez-vous. Tozan ande komoko oyo aza se place. Tozi le correspondant MKBS na niveau ya Beni ya Ituri, celui qui nous envoie les bulletins ici avec le détail. Tobanda koye bisabino mboka nini bazui baleka ki wapi ba libérer chaque jour. Soyez branchés, c'est pourquoi abonnez-vous, partagez les liens pour bo raté ata eloko mon côté. Alors, nos forces armées ba récupéré wana ba komiti na Biakato dans les chefferies de Babila à Babombi. Les opérations de traque se poursuivent et plusieurs territoires ont été neutralisés. La même situation observée dans les territoires du Rumu où les opérations contre les ADEF et leurs supplétifs Maïmaï se sont intensifiées. Le dernier a signalé affrontement entre combattants de groupes armés Codeco, bah Codeco, donc des franges. Codeco fait DBC et c'est des bons temples dans la localité de Nyangarayi, à 43 km à nord-ouest de Bunia, dans le secteur de Walendu Diesi, dans le territoire de Djungu. L'OBIPE, des groupes, il y a bah Codeco, oh bah Kimaki. Ba s'affronta ki lobi ba mususu ba ba kadeko FDBC mususu ali bon temple yoka ba kombo ya ba groupe bon temple. Alors ba yeko koma dans cet affrontement les leaders de bon temple monsieur Tour a été décapité. C'est là où nous avons dit que les combats batoa ba menaka eza combat moko classique te. Et ça, le combat, les alakakés, tout le groupe, les salis, les bombes, les machettes, les décapités, leader, il y a Codeco, bon temple, comme on a monsieur Tour a été décapité, et les parties de son corps, dont sa tête et ses bras, ont été acheminées à Kobo, alors que le reste de son corps est resté à Nyangiri. Et, voilà la situation, le Kakilobi, il y a rappelé dans ces deux provinces, placé en état de siège, les gouverneurs militaires ont déjà pris leurs fonctions et ba kosala musala na bango ndenge esengeli. Donc boyoka makambuli kaki lobi na ba deux provinces les exploits ya ba force armée na biso ndenge ba kosala musala ndenge tolobi biso be sima na bango ko soutenir bango na losambo koloba allez-y toza sima na bino toko senga nzambe abate la bino apese bino makasi bolonga etumba wana to féliciter ba député ba lobi ba kata bango $500 pour te ba pesa ka ba militaire au front. Très bonne décision, mobilisation générale et salema afin que ba tunyo so ba se retrouver. Donc na bandele le source bulletin boko bando koyoka chaque jour sans que tout est l'engana, le lenge nini, makambo oyo, et kobanda koleka na est, bokobanda koye bayango na MKBS, bokobanda bilite, il y a deux provinces, nokobanda ko expliquer bino par notre correspondant, nini le kaki, akose la biso, papier mobimba, oya koleka, azwa récolté ba information, telle province, telle boye. Donc, vous serez branché, bokoye ba nini koleka, minute zoli kolanda, na oye zali koleka. Vous allez aussi suivre la réalité et belé et bien. Donc s'abonner à MKBS, vous allez vraiment cause à la rater tes informations à temps réel. Que Dieu garde le Congo. Bah.
partager nos liens. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Ensemble, nous serons très forts. Dieu garde le Congo. Abonnez-vous et partagez nos liens. Surtout commentez, aimez aussi. À la prochaine. Bye.